Deuxième chapitre, Bhakti Yoga, versets 6 à 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yetu Sarvani Karmani. Yetu Sarvani Karmani. Mayi Sanyasyam Matpara. Mayi Sanyasyam Matpara. Anam Yenevam Yogena. Mam Dayam Taupashate. Desham mam samum dharta. Desham mam samum dharta. Mityu samsaram sagarat. Mityu samsaram sagarat. Bhavam nachi apartha. Bhavami nachi apartha. Mayam vechita shetasam. Maya vechita shetasam. Mais à ce dévot, empli d'affection, qui accomplissent toutes leurs actions dans le but de m'atteindre, et qui s'absorbent exclusivement dans mon adoration, avec une dévotion pure au fils de Prita, je leur accorde rapidement la libération de cet océan des morts et des renaissances. Commentaire. Le Seigneur Krishna manifeste personnellement sa miséricorde et sa protection à l'égard de ses dévots, qui prennent refuge en sa personne, et il les libère de ce monde illusoire. Il les amène à sa demeure éternelle, où ils deviennent ses associés éternels. Om Ganati Milandasya Kanam Jalam Shalakaya Shakshur Meritam Jena Taisme Shigulave Namaha Namahum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutarim Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Kauravani Pracharine Nirvishesha Sumnavadi Prachacha Deshataline Vamsakalpam tanubhyaccha kripa sindhu bhyahevaccha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha namo maha vajananyam krishna prima pridayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Goratvice Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare C'est toujours bon d'avoir les opinions des êtres vivants. Si on veut véritablement agir d'une manière parfaite, on devrait avoir l'opinion d'une personne parfaite.
et d'une personne qui est omnisciente, omniprésente, omnipotente. À part le Seigneur suprême, il n'y a pas d'autre solution. Or, on peut accepter des paroles si on a foi dans quelqu'un. Et comment cette foi se manifeste à travers une personne? Alors, au niveau spirituel, c'est dû à des actes de piété des vies passées. Lorsqu'une personne... Qu'est-ce qui se passe là? Lorsqu'une personne... Non mais ça va, ça a dû être rectifié. Un, deux. Là, il n'y a plus de son. Lorsque on a des actes de vertu accumulés des vies passées et qu'on erre dans ce monde matériel, à un moment on trouve que quelque chose cloche. On n'est pas comme tout le monde. Tous les êtres agissent par instinct quand ils n'ont pas d'actes de piété, un peu comme un animal, sans pouvoir se poser de questions, sans pouvoir s'arrêter. C'est fort quand même. Rappelez-vous cette expérience quand vous étiez tout jeune dévot. Vous avez ce pouvoir de vous arrêter, d'avoir une réflexion, mais les autres ne pouvaient pas. C'est quelque chose qui est frappant, qui est extrêmement difficile, parce que ça vous coupe de la fausse réalité en fait, de ce monde. Ce que les gens vont appeler la réalité, pour vous, c'est bizarre. Vous vous dites, grâce à ces activités pieuses, je vous dis, mais je ne peux pas être comme ça, ce n'est pas possible. Vous avez beau vous forcer, mais vous ne pouvez pas. Il y a une intelligence qui vient à l'intérieur de vous-même, vous recherchez des vies passées et qui vous fait voir un plan complètement différent. Et vous vous dites, mais ces pauvres personnes, qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Ils n'arrivent même pas à se poser une question. Par exemple, moi, quand je vais voir ma famille, quoi, quand ils m'acceptent, parce que c'est pas toujours facile, quand on est un dévot du Seigneur, on devient souvent le pire de la famille. Alors que quand on est un truand, on est bien accepté. On a une coupe d'alcool pour être accueilli. Alors que quand on boit plus d'alcool, on mange plus de viande, on parle que de choses belles, on fait que des belles actions, c'est plus difficile d'être accueilli. Mais lorsque j'allais dans ma famille, je ne pouvais pas parler de la vérité. Parce que je savais que j'allais déranger. Et c'est quelque chose qui est difficile. Parce qu'on doit faire cet acte envers la société pour qu'il y ait un équilibre. Et en même temps, on se retrouve dans une situation comme si on était dans un monde différent. Et qu'on ne pouvait pas se comprendre. En réalité, Krishna explique dans la Bhagavad Gita que ses dévots, ils sont sous la protection de son énergie divine, l'énergie interne. Alors que les êtres qui ne prennent pas refuge en lui, ils sont sous le contrôle de l'énergie externe, Maya Shakti. C'est pourquoi, lorsqu'on se retrouve dans une telle sorte de situation, personne ne se comprend. Il y a juste les corps qui sont là, avec des consciences différentes. On n'a plus rien à se dire. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Parce que là, à ce moment-là, on réalise qu'on est différent du corps, qu'on est différent de la famille, qu'on est différent de ses liens. On en a une réalisation profonde. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on parle toujours d'expérience. Sans expérience, on ne peut pas lâcher quelque chose d'inférieur pour aller sur un plan supérieur. Et on voit, dès le début, Krishna lui donne une expérience. Parce que quand on se retrouve avec des gens qui n'ont pas de spiritualité, c'est des personnes qui ne suivent aucun principe dans leur vie. Partout, il y a de la viande, partout, il y a de l'alcool. Partout, il y a des jeux de hasard. Partout, il y a la vie sexuelle. Et on voit, lorsqu'on est dans la vertu, au contraire, la pureté
vient prendre notre existence. Donc, naturellement, qu'est-ce qui se passe? À un moment, bah, vous réalisez quoi? Que là, à part servir le Seigneur, vous n'avez rien à faire. Parce que tout est illusoire. Tout est illusoire. Donc, vous vous mettez à adorer le Seigneur suprême parce que vous n'arrivez pas à accrocher avec les choses de ce monde. C'est comme si tout vous échappait. Quand Krishna vient vous chercher, c'est comme si tout vous échappait. Et la seule chose que vous avez comme refuge, c'est son adoration. Moi, je me rappelle, par exemple, quand j'ai commencé ma vie spirituelle, quand Krishna est venu me chercher, c'était extrêmement fort. Et alors, bien sûr, ça doit être dû à des vies passées, parce que je me rappelle, j'avais une petite photo de Krishna dans un cadre et je l'emportais tout le temps avec moi, même quand j'allais dans une soirée, par exemple, parce que j'étais pas encore un moine, j'allais dans une soirée, et ben je me planquais, j'allais coucher mon petit cadre, je faisais des prières, j'offrais le petit ensemble, tout mentalement, c'était toute une adoration, et en fait, ma vie n'était plus qu'une adoration, et je me retrouvais dans ce monde, et je savais pas quoi faire avec ce monde. Et en même temps, j'avais pas vraiment de solution pour m'y engager, pour me détacher complètement, parce qu'il y a une certaine encore attachement. Vous comprenez? Tant que Krishna ne vient pas nous chercher complètement, on garde un lien avec ce monde. Donc on est entre deux eaux. Et je me retrouvais, moi, dans des situations, finalement, qui étaient incompatibles, complètement incompatibles, et les gens, ils me trouvaient bizarre. Plus j'adorais le Seigneur suprême, plus les gens me trouvaient bizarre. Parce que les gens qui m'avaient connu avant, ils ne comprenaient pas. Et c'est marrant parce que il y a un an, j'ai revu une de ces personnes qui est maintenant professeur de yoga, qui a une maison pas loin. On a été le voir. Et il me disait, c'est toi qui avais raison. C'est intéressant, hein? Et il me dit, moi j'ai mis 20 ans à comprendre. Mais toi tu avais raison. Il y a 30 ans, tu avais déjà compris ça. Et nous, on te prenait pour quelqu'un de bizarre. Et c'est incroyable parce que je me suis retrouvé. On a été avec Ashesha, donc voir ce groupe de personnes. Et lui, il prêchait ouvertement tout le monde. Alors moi, je ne fais jamais comme ça. Moi, je m'adapte aux personnes. Je ne fais jamais ça. Et lui, il prêchait directement, quoi. Et c'est comme ça. Les gens évoluent, en fait. Les gens évoluent. Mais ce que je voulais dire, c'est que, en fait, plus Krishna vient nous chercher, plus ce monde nous rejette. Et à un moment, vous êtes obligé de vous abandonner. C'est quelque chose qui est graduel. Vous avez votre indépendance. Vous adorez Krishna parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Et plus les gens vous rejettent, et plus Krishna va faire en sorte de vous reprendre. Et à un moment, vous avez la seule solution que vous avez, c'est vous donner complètement. Et à ce moment-là, c'est très fort. C'est très fort. Parce que dans ce moment-là, vous pouvez vous donner complètement. Et Krishna peut réciproquer complètement. C'est pourquoi c'est des moments où on peut avoir des réalisations très puissantes, très fortes, très intimes avec Krishna. Vraiment. Et une fois cette expérience est là, sur un plan spirituel, à ce moment-là, on ne peut plus quitter jamais après la voie spirituelle, c'est impossible. Une fois qu'on réalise qui nous sommes et qui est Krishna, après c'est fini. Vous pouvez tout endurer, mais vous ne pouvez pas partir. C'est pourquoi, par exemple, je vous ai envoyé une vidéo là, où on voit, par exemple, un ancien sannyasi du nom de Bhagavan, par exemple. Et c'est hallucinant. L'orgueil, qui, c'est vraiment le maître du monde. Il prend ses restes, il les jette comme à des chiens, en fait, aux disciples. Et les disciples se battent entre eux, tu vois. C'est vraiment c'est impressionnant, quoi. Et finalement, je pense que pas loin après, il est tombé, quoi. Et ce qui est incroyable, c'est qu'extérieurement, il se dégage quelque chose de cette personne. Mais intérieurement, où est sa réalisation? Il n'y en a pas. Sans ça, il ne serait pas parti. Il n'aurait pas pu tomber.
Donc l'aspect externe, c'est parfois trompeur. C'est vraiment trompeur. C'est pourquoi on ne peut pas baser notre foi sur la naissance. Le gourou, il doit être né dans une famille de Vaishnavas, il n'a jamais mangé de viande, sur ceci, cela, c'est parfait. Ce n'est pas un critère. C'est un critère d'acte pieux des vies passées, mais pas de pure dévotion. Ce n'est pas suffisant. Parce que même à ce niveau-là, on peut s'enorgueillir et être fier de sa naissance. Moi, j'en ai eu la preuve de ça. J'ai vu ces choses-là. Donc, notre but, il est, par notre propre expérience, de pouvoir vraiment avoir une réalisation de Krishna. Et lorsqu'on a une réalisation de Krishna et qu'on vient d'un milieu très déchu, alors on comprend que ce n'est pas l'érudition le plus important, la naissance. Le fait de connaître beaucoup de versets, la Bhagavad Gita ou du Bhagavatam, d'avoir une belle voix pour faire des beaux kirtans. Non, on comprend que la seule chose que Krishna accepte, c'est l'abandon. Et cet abandon-là, c'est quelque chose qui vient d'un sentiment de l'âme qui est total. Ça ne vient pas de quelque chose qu'on calcule, qu'on apprend dans un livre. Même avec l'association, parce que moi, je n'ai pas eu beaucoup d'associations à cette époque-là. C'est l'appel de l'âme. Quand on veut la vérité, quand on veut une relation avec Krishna, quand on veut devenir son serviteur, alors Krishna réciproque. C'est notre sentiment que Krishna vient chercher. Or, dans la vie spirituelle, parfois, on peut avoir des sentiments très puissants à des moments de notre vie, puis graduellement, ça perd sa puissance. Ce n'est pas qu'on tombe, parce que la réalisation est là. Mais il y a des choses qui peuvent atténuer la dévotion, comme un bon lieu pour vivre. Un bon prachad, un bon ceci, un bon cela, un bon ceci, un bon cela. Puis finalement, on arrive à un point de la vie spirituelle, on dit, mais c'est pas si mal que ça. La vie de temple, c'est tranquille, on vit bien, on a une belle famille, on va construire un petit building en plus, là. On n'a pas d'argent, on n'a rien, mais on est bien, tout va bien. On voit les gens souffrir. Ils souffrent tous. Moi, je souffre pas trop, finalement. Hein, j'ai pas de désir. Voilà, je suis devenu quelqu'un de très simple. C'est pas mal. C'est pas mal. Et on voit graduellement qu'on arrête de pleurer. Et puis, c'est mystique, parce que l'énergie matérielle, elle est experte à nous voiler. Et à un moment, alors on perd cette avidité pour la dévotion. Même si on peut avoir même une réalisation de Krishna. Parce que le Seigneur, il est expert à faire voir différentes facettes à son dévot. Même Narada Muni, on voit Krishna l'a plongé dans la vie de famille à un moment. Hein, avec des enfants et tout, il était débordé, Narada Muni. Donc, on voit, c'est une réalité. Par exemple, Sankaracharya, il y a une histoire avec Sankaracharya, c'est Sankaracharya, il a débattu avec beaucoup de philosophes, il a battu beaucoup de philosophes pour établir cette philosophie impersonnelle. Et à un moment, il y avait un yogi qui voulait débattre avec lui du Kamashastra, c'est ça, hein, il me semble, hein, quoi, les choses voilà, érotiques, tout ça, quoi. Et lui, il était sannyasi, il n'avait jamais touché une femme. Donc, ils étaient sûrs de le battre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Sankaracharya? Par ses pouvoirs mystiques, il est entré dans le corps d'un roi concupiscent, et en fait, il a tout appris, en fait, sur la concupiscence à travers ce roi. Et après, quand il a débattu, il a battu en fait son adversaire. Ça
C'est intéressant. Donc, Krishna peut, et c'est normal, faire passer un dévot par différentes expériences. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne condamne pas l'acte, mais faire passer un dévot par différentes expériences pour qu'il puisse, par lui-même, aider les autres à dépasser ces expériences. C'est pourquoi, parfois, un dévot très avancé des vies passées peut prendre naissance dans une famille de démons, vraiment avoir une vie terrible, et pourtant, il peut être plus avancé qu'une personne qui a pris même naissance dans une bonne famille, etc. etc. Pourquoi? Parce que, en fait, l'expérience qu'il va avoir va lui permettre d'aider des personnes que d'autres ne pourront pas aider. Et c'est une réalité. Par exemple, un jour, Bhaktivedanta, il y a une personne qui lui a dit « Mais comment vous pouvez dire que le LSD, c'est pas bon? Vous avez jamais pris. » Mais Prabhupada était intelligent, il dit « Moi, j'en ai pas pris, mais mes disciples, ils en ont pris. Donc, vous pouvez leur demander. Eux, ils ont une grande expérience. Et s'ils ont arrêté, c'est parce que le chant du Mahamantra, il est supérieur au LSD. Parce que le LSD, il y a une descente. Alors, c'est vrai que ce mouvement, à cette époque-là, il prêchait quand même sur une base qui était assez étonnante. Il y avait des tracts plus jamais de redescente. Tu vois, c'est quand même particulier, quoi. Ça veut dire que c'était vraiment... voilà, c'était dans les années 70. Hein. Ça faisait partie du paysage, on va dire. Hein. C'était des années un peu particulières. Et donc... les dévots qu'il y avait à cette époque-là, ils faisaient des tracts plus de redescente. Hein. C'est particulier, quand même. Hein. Et donc, c'est vrai. C'est vrai que, graduellement, à force de servir le Seigneur avec amour et dévotion, on atteint un stade où, même lorsqu'on souffre, on est en extase. Il y a toujours une extase au fond de nous-mêmes. Et c'est difficile à comprendre, parce que si on nous mettait 30 ans en arrière ou 10 ans en arrière dans une situation, on verrait qu'on goûte un bonheur. Parce que dès qu'on sert le Seigneur suprême, on est influencé par la vertu, et le symptôme de la vertu, c'est qu'on goûte au bonheur, on goûte à l'extase. C'est pourquoi... Même quand un dévot paraît contrarié, il y a toujours une forme de bonheur spirituel à l'intérieur de lui-même. Et plus cette forme de bonheur devient grande, et naturellement, plus il est immunisé contre l'attraction matérielle. Plus ça devient grand, plus il est immunisé. Au point... qu'à un moment, quand Krishna se révèle en fait dans le cœur, alors il entre dans une méditation constante sur le monde transcendantal. Et on voit par exemple, à un moment, un dévot, il a demandé à Prabhupada s'il pouvait voir tout ce que faisait Krishna tout le temps. Et le Prabhupada, tu lui as dit oui. Et là, qu'est-ce que fait Krishna? Là, il est assis. Donc, c'est quelque chose de mystique, parce qu'un dévot, par la présence de Krishna dans son cœur, il peut savoir ce que Krishna fait. Il peut, à ce moment-là, se plonger dans une sorte de méditation, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de séparation entre le service de Krishna et Krishna lui-même, ou le fait de parler de Krishna et Krishna lui-même, ou le fait de chanter le nom de Krishna et Krishna lui-même. C'est-à-dire que le dévot, il a le pouvoir directement de savoir ce que Krishna fait. Directement, il peut sentir et voir ce que Krishna fait. Donc, le service de dévotion, ça nous amène à un tel niveau d'avancement qu'on peut devenir, dans ce corps-là, un associé du Seigneur. Vous vous rendez compte? Mais c'est juste une question de sincérité. Qu'est-ce que vous préférez? Votre petite place sympa?
Vous voyez les autres souffrir à l'extérieur et vous ne souffrez pas trop? Ou alors, vous désirez être un serviteur éternel du Seigneur suprême. Donc, le désir ne doit pas s'arrêter en route. Et c'est ça le piège. Parce que si notre désir s'arrête, pour affection, pour notre enfant, pour ceci, pour cela, on devra revenir dans une vie prochaine pour aller plus loin. Donc je vous pose cette question, vous-même. Est-ce que ce désir, il ne s'est pas arrêté? C'est pas si simple. Alors il y en a qui me diront, mais il n'a pas commencé. Hein? Si, il a commencé. Parce qu'aujourd'hui, vous ne serez pas là. Mais vous devez vous poser la question. Est-ce que ce désir, il ne s'est pas arrêté? Et vous verrez qu'il est devenu tellement lent que vous n'avez plus d'avidité. Que même pour chanter, il n'y a même pas d'écoute. Donc s'il n'y a pas d'écoute, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune avidité. Rien. Ça veut dire que Krishna ne peut même pas réciproquer avec votre chant. Parce que vous n'avez pas écouté un saint nom. Pas un saint nom. Avec la foi que le saint nom, c'est directement Radha et Krishna. Pas un saint nom. Donc automatiquement, vous ne donnez même pas la chance à Krishna de réciproquer avec vous. Et ça fait combien de jours que ça dure? Combien de mois? Combien d'années? Et à ce rythme-là, ça va prendre combien de vies? Malheureusement, c'est la triste vérité. C'est pourquoi on doit faire un effort. Mais même si on écoute, on est tellement pris dans la satisfaction des sens, ça veut dire à tirer du plaisir de Krishna au lieu de lui donner du plaisir, que même si on écoute ça, vous allez voir, demain vous recommencerez la même chose. Donc il y a un problème. C'est que vous prenez plaisir, vous ne vivez pas pour le plaisir de Krishna. Ou on ne vit pas pour le plaisir de Krishna. Je me mets dedans. Donc ça, c'est l'ennemi. On s'est fait avoir par l'énergie matérielle. Et ça veut dire quoi? Reprendre naissance sur les planètes hédéniques. Parce que dans le monde de Krishna, vous ne pouvez pas vivre pour vous. Vous ne pouvez que vivre pour lui. Ça, c'est le danger d'avoir sa petite vie. C'est pourquoi certaines activités sont quand même plus favorables, comme la distribution des livres. Parce que quand on distribue des livres, on ne peut pas dire qu'on y va pour prendre plaisir. C'est pas si simple. C'est difficile. Mais les trois autres jours, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de... Vous comprenez? Si on sort trois jours par semaine, les quatre autres jours, est-ce qu'il n'y a pas une petite faille là-dedans? Vous comprenez? Donc on doit absolument essayer de comprendre ça. Après, chacun a le droit d'avancer comme il veut. Chacun a le droit. Mais si on veut atteindre la pure dévotion, on doit voir en nous-mêmes ce qui ne va pas. Et puis on voit ce qui ne va pas. Chacun sait ce qui ne va pas. Mais on a cette attitude. C'est quoi? On fait semblant de ne pas voir. Parce qu'il y a un attachement à prendre plaisir pour soi. C'est une réalité. Et naturellement, au début, on est très sérieux, parce qu'il y a une sorte de fanatisme. On a beaucoup de désirs au début, mais on se bat contre les désirs. Non, moi je suis... Moi je me rappelle, j'étais tellement fanatique. Tellement fanatique. Et finalement, on s'aperçoit que le fanatisme, ça ne permet pas d'atteindre Krishna. Donc, on se dit, mais pourquoi être fanatique? Ça commence comme ça. Et graduellement, pom 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 pom. Vous comprenez? On a du mal à se lever le matin. Hein, on a du mal à chanter. Et on se maintient par la force des autres. Mais il suffirait qu'on quitte le temple
pour plus pouvoir se lever le matin. Imaginez, si vous avez du mal à vous lever dans un temple, qu'est-ce que c'est à l'extérieur du temple? Parce que dans le temple, vous êtes obligé de vous lever. Et si vous ne vous levez pas, il y en a un qui allume la lumière et dit « Alors, on dort debout. » C'est pas si simple. Donc, on pourrait avoir cette force. On pourrait l'avoir. Mais simplement, plus on développe le goût pour le plaisir, pour soi, plus on perd de la force spirituelle. C'est pourquoi notre bonne fortune, c'est d'être engagé dans le service de dévotion. Parfois, certains de vous, ils râlent, j'ai trop de service. Mais s'il n'y avait pas trop de service, qu'est-ce qu'on ferait à la place? C'est pas si simple. C'est pourquoi on voit dans un temple, il y a quelque chose de mystique. C'est que quand il y a 10 personnes qui vivent dans un temple, il y a trop de service. Quand il y en a 20, il y a trop de service. Quand il y en a 30, il y a trop de service. Quand il y en a 40, il y a trop de service. Quand il y en a 50, il y a trop de service. C'est mystique. Parce qu'on ne fait pas plus. Mais il y a toujours trop de service. Ça, c'est la miséricorde de Krishna. Parce que s'il ne crée pas un espace où vous n'avez plus de temps pour vous-même, alors vous prendrez plaisir, vous ne pourrez plus progresser. C'est pour ça un temple, c'est mystique. Mais c'est vrai. Hein. On maintenait ce temple-là quand on était 5. On y arrivait. Hein. Quand on était 10, on le maintenait, on y arrivait. Hein. Mais il y avait toujours autant de difficultés. Quand on est 15, on y arrivait, on le maintenait. Toujours autant de difficultés. À 20, toujours autant de difficultés. C'est étrange. Vous n'avez jamais pensé à ça? Ou alors, il y en a peut-être qui se planquent, qui foutent rien, et qui prennent juste plaisir. Mais on regarde. Parce que si Krishna ne nous permettait pas d'avoir ce service, qu'est-ce qu'on ferait? C'est pourquoi le service est une miséricorde. Quand on n'a pas la possibilité de méditer sur Krishna, qu'est-ce qui nous reste? C'est vrai, le service. S'il n'y a pas de service, on retourne à une activité matérielle. Parce que c'est simplement qu'à un certain niveau qu'on peut avoir du goût pour le chant et qu'on peut chanter beaucoup. C'est pas possible. Et puis quand vous êtes tout seul, vous êtes livré à vous-même. Un jour c'est facile, un jour c'est moins facile. Si vous êtes entouré de dévots, le jour que c'est pas facile, vous continuerez. Mais le jour que c'est pas facile, vous êtes tout seul. Et le lendemain, c'est pas facile. Une semaine après, c'est pas facile. 15 jours après, un mois, eh ben les tours, on va chanter de moins en moins. De moins en moins. On va avoir de moins en moins de goût. Et à un moment, ça va être tellement dur qu'on va commencer à regarder le monde matériel. Qu'est-ce que je fais? Maya nous attracte. Elle nous teste. Et alors, vous pensez, qu'est-ce que je fais? Là, vous êtes perdu, vous êtes entre deux eaux. Vous regardez même les dévots en se disant, oh, c'est bizarre comme vie quand même. Et les matérialistes, vous dites, mais quand ils ont l'air de s'éclater. Et de nouveau, vous redevenez influencé par l'énergie externe et vous commencez à se dire, ce monde matériel, il n'est pas si mal finalement. Et vous commencez à regarder les serviteurs du Seigneur en se disant, mais c'est vraiment bizarre comme vie. Et puis vous partez. Et quelqu'un qui a servi pendant 10 ans, 20 ans, il peut partir comme ça en une journée et tout oublier. C'est très mystique. L'énergie matérielle, elle peut faire n'importe quoi de vous. En ce moment, si vous êtes là et que vous pouvez garder cette position d'apprenti Vaishnav, c'est simplement parce que l'énergie matérielle, elle reçoit l'ordre en fait du Seigneur suprême de ne pas vous manger. En une fraction de seconde, elle peut faire que tous les désirs reviennent en vous-même. Mais des désirs tellement puissants que vous êtes obligé de faire n'importe quoi après. C'est juste une miséricorde. C'est pourquoi on doit prier, c'est très important de prier. Que Krishna vienne nous aider
pour qu'on ne tombe pas dans ce piège de prendre plaisir. Ce n'est pas facile. Tout le monde peut tomber dans ce piège. Personne n'y échappe. La seule chose, c'est que quelqu'un qui a eu une haute réalisation de Krishna, et quoi qu'il fasse, il engage tout pour Krishna. Il vit avec Krishna, c'est différent. Donc il peut se permettre de faire certaines choses. Mais les autres, ils ne peuvent pas. Parce que s'ils font la même chose, ils perdent leur bhakti. C'est pourquoi on doit faire attention avec certains dévots. Certains dévots, dû à leur vie passée, ils peuvent utiliser beaucoup de choses sans tomber. Mais d'autres, ils ne peuvent pas. Donc faites attention, imitez pas. Imitez pas. C'est très important. Parce que sans ça, vous allez vous retrouver dans la même situation qu'un dévot, mais vous allez tomber. Donc il faut toujours faire attention. Ce que nos acharyas nous ont enseigné, c'est la réalité. Ils nous ont donné des enseignements pour qu'on soit protégé et pour qu'on puisse atteindre le succès. C'est pour ça qu'il y a ces enseignements-là. C'est important. Hein? Merci beaucoup.